Bonsoir. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce lundi 12 août 2019 restera une date noire dans les archives de la musique ivoirienne. Arafat DJ s'en est allé. Arafat DJ est décédé. Ce jour, suite à un accident de la circulation, un accident de moto survenu hier aux environs de 22 heures. La RTI, qui a vu grandir artistiquement Rouen Ange Didier, c'est son nom à l'état civil, la RTI, disais-je, ne pouvait passer sous silence ce qu'elle considère comme un événement bien que tragique. La RTI rend hommage à DJ Arafat en plateau avec ses amis, ses collègues, ses proches. Et vous le savez, un artiste ne meurt jamais. C'est pour cela que dans notre milieu, en pareille circonstance, la minute de silence se transforme en minute d'applaudissement pour DJ Arafat. Merci. Merci beaucoup. Nos équipes ont rencontré des Ivoiriens dans la rue. Elles leur ont donné la parole, mais avant de les écouter, je voudrais donner l'antenne à mes premiers invités. Vous reconnaissez Mollard. Je vous présente également Oscar Le Moutard, c'est son nom. John Jay, que vous reconnaissez aussi. Et le duc, l'un des proches de DJ Arafat. Alors on va revenir sur les circonstances du décès. Oscar Le Moutard, Arafat faisait partie de votre groupe Féru de Moto. À la base, Arafat, oui. Avant d'être DJ, il oui. était déjà Moutard. Oui. Je l'ai connu dans le domaine de moto, en fait. Oui. Et il était mon petit frère, et puis il était mon ami, il était tout pour moi. Et du coup, on était au concert, et puis voilà, on est venu. Il m'a dit, Oscar, viens me voir. Puis après, on m'a annoncé que... C'est lui qui t'appelle ? Oui, il m'a appelé, il m'a dit, Oscar, viens me voir, parce oui. que je suis assis vers deux plateaux, quelque part là-bas, viens me voir. Oui. Je suis là, je donne une cave, tout ça, on va faire un peu de moto pour, par rapport aux promos et tout. Oui. Je lui ai dit, donne-moi 10 minutes, le temps de m'habiller, me laver, tout ça, je vais te retrouver. Donc, le temps de me laver, tout ça, j'étais dans la douche, et puis, boum, on m'a appelé, me dit, Oscar, viens vite, Arafat, t'es tombé en moto. Il dit, non, c'est pas possible, parce que je peux pas croire à ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, demande ta voiture, vite fait, et puis tu viens. Donc, je me mets dans la route directe, je suis venu, j'ai trouvé mon frangin qui était couché par terre, oui. puis j'ai vu sa moto à côté. Franchement, il était abîmé. Puis le policier m'a dit, tu restes pour le constat, puis après tu le retrouves à l'hôpital. Arrivé devant l'hôpital, oui. j'ai forcé pour rentrer, puis j'ai vu mon ami dans un état critique bizarre. Ça m'a fait du mal parce que... D'accord, mais vous en avez l'habitude, la moto, vous en avez l'habitude. Je faisais de la moto, oui. parce que toute la folie d'Arafat par rapport aux motos et tout, oui. vient de moi. Ok, tu es un peu son formateur. Voilà, son formateur et tout. Oui. À un moment, il avait dit qu'il arrêtait, il ne voulait pas arrêter, il va arrêter, il ne voulait pas arrêter. Ça m'a fait bizarre. Okay. Et puis, ces derniers temps qu'il quittait à Paris, il est revenu, il a acheté deux motos. Et puis, il ne m'a pas dit, il m'a fait une surprise. Je suis arrivé dans son garage, j'ai vu les deux motos. Ouais, d'accord. Puis, il m'a dit, Oscar, voilà, il vient d'acheter les deux motos, j'ai fait encore de la moto. Ok. Voilà. D'accord. Le Duc, tu étais avec Arafat? Pour ma part, en fait, Arafat, on ne s'est pas vu le même soir. Oui. J'ai été appelé très rapidement. On me dit, ton petit vient de faire un accident, mot pour mot. Oui.
Bon, tout de suite, je pense à une blague, hein, donc je ne crois pas trop. Et avec assistance, je me rends compte qu'effectivement, il y a une gravité. Donc j'arrive sur les lieux, je me ferai un chemin, j'arrive justement, je le vois allongé, et j'essaie de le prendre, je lui parle. Il ne me répondait pas. Je fais un constat, je vois qu'effectivement, la situation est critique, parce qu'il agonise. Donc on essaie de créer une petite barrière de sécurité. Les pompiers arrivent, on le prend, et je le retrouve plus tard à la polyclinique. Dans les premiers instants, on n'a pas pu justement avoir un diagnostic. Je réussis à approcher le médecin qui me dit ouvertement, le pronostic vital est engagé, très sérieusement engagé. Et là, je comprends que on n'est pas, nous sommes en train de perdre un monument. Voilà. D'accord. Mola, comment tu apprends et comment tu arrives sur les lieux, toi? Alors, moi, on est dans une soirée privée avec une personnalité politique. Et il y a mon petit frère qui m'appelle pour me dire, je suis sur un lieu d'accident. Avant de d'avoir un accident, je dis, il y a qui à côté? Je dis, c'est les accidents là encore, vas-en. Là. Il dit, non, c'est très sérieux tout ça. Je demande, en fait, aux équipes qui sont là, de le ramener à la polyclinique. Automatiquement, on apprend, j'informe les autorités du pays, dire que c'est sérieux, parce qu'on me fait un retour pour me dire que c'est super sérieux. Et donc, tout de suite, les autorités s'engagent à faire en sorte que toutes les charges... Il a été pris en charge. Il a été pris en charge automatiquement, à la minute. Ce qui était humainement possible a été fait. Non, ça c'est évidence et inévidence. Ouais. C'est-à-dire, à la minute, je l'ai même dit. Je l'ai même communiqué sur mes réseaux. Il a été pris en charge automatiquement. Mais comme on est en Côte d'Ivoire et qu'on tombait dans un jour férié, effectivement, il y avait besoin de certaines choses, donc on a délégué quelqu'un. Et il y a une petite sœur à moi qui était là-bas, qui est très proche de Didier, qui a toujours été là, elle qui était mon relais là-bas. Et donc, dès que je l'ai eue, je la connais depuis qu'elle a 13 ans, elle est avec Didier depuis je ne sais plus combien d'années. C'est des frères et sœurs. Oui. Et donc, c'était mon relais là-bas. Et donc, on apprend la nouvelle. Après, je me rends là-bas à 4 heures du matin. On a la nouvelle. On sait qu'il est pris en charge. On me dit que c'est très compliqué, c'est très délicat. Après, on discute avec les médecins. Les médecins nous disent ce qu'ils lui ont dit. Le pronostic vital est sérieusement engagé. Oui. Et donc, je demande qu'il n'y ait pas de diffusion d'infos n'importe comment. Et donc, on en parle avec le premier médecin. Il a dit quand même, ceux qui s'occupent des questions cérébrales viendront vous donner plus de détails. Et donc, finalement, je suis en contact. Je demande à ce que les informations soient tues. Effectivement, parce que c'est une icône de notre pays. Et à 8h20, on a l'information décisive qui nous annonce que malgré tout, parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de chirurgie, on a été un moment obligé de le mettre en sédation très tôt pour que son corps puisse reprendre. Donc il a fait un arrêt cardiaque à 8h05 et à 8h12, il est décédé. Les médecins ont tout fait pour le réanimer, mais il était dans une situation... vraiment délicates. Ce ne sont pas des blessures faciles. Je m'excuse auprès des Ivoiriens, mais il faut qu'on dise la vérité pour que les gens arrêtent de penser qu'il est vivant, il va revenir. Donc, c'était un moment délicat, difficile. Et là, à un moment, on est dans la réalité. Mais le message que je veux porter, nos autorités ont été présentes. Parce que, avant de faire les annonces, il y a eu beaucoup de réflexions sur nos ministres tutuels. On est là aussi pour rappeler à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, au monde entier, surtout aux fans de Didier Arafat, d'être disciplinés, parce qu'on entend énormément de choses, on aime tous Arafat, et la jeunesse ivoirienne est disciplinée. Je pense que c'est l'un des moments, elle doit profiter de ce moment-là pour montrer effectivement qu'elle est disciplinée. Ah oui, concernant la discipline, c'est vrai que on demande, nous sommes un comité d'organisation qui est en train de se créer et on demande de la discipline aux jeunes qui sont dans la rue actuellement, qui sont en train de démontrer qu'ils ont de l'affection pour leur artiste. Oui. Il faut que vous compreniez que l'image de la Côte d'Ivoire est engagée à travers une icône nationale. Bien sûr. Et donc, il y a des actes à ne pas poser. Oui. Déjà, il faut respecter les autres concitoyens qui passent. Il faut que vous alliez communier avec votre artiste. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à X temps, sur le stade d'engrais. Dans la discipline, en tout cas. Et dans la discipline. Dans la discipline. Et dans la discipline de le respect. On reviendra à toi, Mola. Voilà. John Jay,
présentateur radio TV. On a vu le poste que tu as fait ce matin. Le poste, c'est un poste de soutien, malheureusement. Moi, j'avais une relation très particulière. C'est une relation filiale. Moi, j'ai une relation particulière avec sa mère. Sa mère est une amie très proche. Oui. Il m'appelait affectueusement le vieux. Il m'arrivait parfois d'échanger avec lui sur des sujets. Oui. Même quand il était en inimité avec certaines personnes. Il allait prendre conseil auprès de toi. De moi. Comme nous tous nous le faisons. Voilà. Ouais. Auprès de toi. Ouais. Alors, je voulais dire bravo et merci à la RTI de lui consacrer ce temps. Oui. Il est un phénomène. Oui. Il a su mettre l'histoire de notre vie en musique. Il a tracé son mouvement auquel ont adhéré des milliers de jeunes. Oui. Il avait un impact indescriptible que nul ne pouvait arrêter. On peut ne pas l'aimer, mais il était impossible d'arpenter une rue en Côte d'Ivoire sans qu'on ne vous parle de Arafat Didier. Issu d'une famille modeste. Il a laissé des traces. C'est important. Mais je pense qu'il a visité chacun de nous. Parce que moi, j'étais chez une amie, Mariam Koulibaly, et on parlait de l'impact qu'il avait sur une frange de la population. Et quelqu'un me disait, ton petit là, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais il ne laisse personne indifférent. On était en train de parler de cette puissance qu'il avait, cette aura qu'il avait. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant oui. que le maître du temps et des circonstances aurait décidé autrement. Mais je me range à votre avis pour dire aux uns et aux autres, la douleur, elle est éprouvante, elle est pesante, mais gardons-nous de défier Dieu. C'est Dieu qui a décidé que cela se fasse comme ça, que sa volonté soit faite. Faisons en sorte que son âme repose en paix oui. et pensons donc à ses amis, pensons à tous ceux... À sa famille. Qui, à sa famille, oui. à ses enfants. Oui. Et nous n'allons pas refaire le monde. Chacun de nous va y passer. Mais allons à l'essentiel. Rendons-lui l'hommage qu'il mérite. Il est venu comme un héros, il a parlé de moto, il a rendu hommage à un de ses amis qui s'appelait Jonathan, et lui repart chez Dieu suite à un accident de moto. Oui. C'est tout est écrit là. Tout est écrit. Oui, tout est écrit. Donc prenons acte oui. et prions pour le repos de son âme. C'est tout, que oui. sa volonté soit faite. Merci beaucoup, John G. Je sais que tu es très, très pris. Voilà. On va te libérer, mais seulement je voudrais que tu regardes avec nous, en 2 minutes et demie, un condensé de la carrière d'Arafat Didier. C'est extrêmement long, mais pour les besoins de la cause, on a fait cet élément. On regarde et après, on revient en plateau. Son vrai nom, Ange Didier Huon, Didier Arafat, parfois appelé Yorobo, commandant Zabra Sautau, le dictateur, et récemment le Daïche Khan, est né le 26 janvier 1986 à Yopougon. Chanteur, compositeur, producteur, arrangeur, Didier Arafat a eu sur la culture musicale ivoirienne une influence considérable. Retour sur un vécu qu'on pourrait comparer à celui d'une étoile filante. Yorobo prouve encore une fois que sa source d'inspiration est intarissable. Le single Gladiator est mis sur le marché le 16 décembre 2009 et l'album le 19 juin 2010 incluant les morceaux Zoropoto 1 et 2. Le 13 août 2010, il devient le premier DJ artiste du Coupé Décalé à faire un concert en solo dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire qui est le Palais de la Culture d'Abidjan. Depuis 2011, il remplit le Palais de la Culture d'Abidjan chaque 26 décembre.
inspiré par Lil Wayne, embrassant depuis janvier 2010 le hip-hop et surnommé à cet effet South Town le dictateur, il conceptualise le Nushi R&B dans son single en duo avec Ivan Trevor. On observe tout au long de sa jeune carrière un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé-décalé classique des premières heures de ce mouvement musical à un coupé-décalé plus sophistiqué. Sa voix est devenue plus rock, les instruments plus travaillés et plus électroniques, mélangeant des sonorités nouvelles avec une place importante donnée à la batterie. On parle aujourd'hui d'une sorte d'African rock et d'African electro. Le morceau Rage 202, par exemple, est un mélange de sonorités heavy metal et coupé décalé. En 2012, il reçoit deux prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest au Kora Music Award. Un sacre qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Fort de son assise sur le continent, il est souvent sollicité pour des collaborations. De Davido du Nigeria à Toufan du Togo en passant par Jim Artis du Nigeria, sans oublier Fally Ipupa, RD Congo, en 2012, il s'impose sur le marché français avec Oulala, un morceau en collaboration avec Mokobe, tube de l'été de la même année. En contrat avec Universal Music Group, Didier Arafat fait son entrée dans une grande écurie de l'industrie musicale. Mais malheureusement, ce 12 août 2019, le sort en a décidé autrement. Adieu l'artiste. Il n'y aura jamais l'homme pour moi. Merci. Décédé ce jour, lundi 12 août 2019, la RTI rend hommage à la star mondiale, Arafat. Et c'est une idée de monsieur le directeur général de la RTI. Je voudrais aussi préciser que cette émission, vous pouvez la suivre sur Fréquence 2. Voilà. On a changé d'interlocuteur. Mollard est encore là, mais vous reconnaissez Serge Benoît, Mix et de Bordeaux. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Didier. Ça va? Bah, on est sous le choc, mais. Je comprends. Ouais. Je comprends. Ça va aller. Alors, comment tu apprends le décès d'Arafat? Bah, hier, moi, j'étais avec, avec Mollard et d'autres artistes dans une soirée privée. Oui. Et donc, c'est sur le chemin du retour que j'ai vu comme ça sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais après, on s'est dit, bon, les gens, ils aiment faire beaucoup de polémiques, ils aiment alimenter les rumeurs et tout. Mm-hmm. Donc, j'ai cherché à avoir la bonne version. Oui, ouais, justement. Donc, j'ai commencé à appeler tous les gars que je connais dans son staff. Mm-hmm. Et la personne décrochait son téléphone. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter et tout. J'ai même appelé Mola toute la nuit. S'il ne décrochait pas aussi. Donc, c'est dans cette inquiétude-là que je me suis endormi. Et le matin, on a tous appris la nouvelle. Donc, voilà. Oui. Mix, est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à un buzz aussi? Parce que les gens en parlent tellement. Ouais. Est-ce que tu as pensé à un buzz, connaissant ton type? Il faut dire que j'ai pensé à ça parce que je l'ai eu à 20h. À 20h. Tu as eu Arafat? Ouais. La veille, on était à son concert. Mais je n'ai pas compris Mix, mais il a passé un buzz deux fois. Ouais, déjà à 4h du matin, on a fait le spectacle ensemble. Après, moi, je suis rentré. Ouais. Et à 20h, il m'a écrit merci mon frère et tout ça. Et il m'a envoyé les images du concert. Et du coup, après, je reçois un appel en même temps, je décroche. Ouais. Il dit ça va, il dit je veux te dire un truc. Je dis, vas-y. Il dit, je veux que tu saches que tu es mon frère et que je t'aime énormément. Je dis, je t'aime aussi. Tu ne l'as jamais dit? Jamais. Je dis, je t'aime aussi et tu sais que toi et moi, ça fait des années, ce n'est pas aujourd'hui, c'est la famille. Il dit, merci. Quand tu vas raccrocher, regarde ce que je vais faire. Donc, il raccroche. Je vois automatiquement qu'il change sa photo de profil WhatsApp. Il met une autre photo. Automatiquement, tous les deux, vos photos, du concert du samedi. Celle que vous avez faite ensemble, en fait. Ouais. Ah, d'accord, oui. Voilà. Et directement, je vais sur Facebook, je vois aussi qu'il a mis encore la photo là-bas, sur Instagram et tout. Je parlais avec mon manager, je dis, mais vraiment, le gars, il me déclare sa femme, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Donc, du coup, je suis resté là comme ça, il y a 23 heures. Je commence à voir sur les réseaux. Automatiquement, je lui envoie un message. Je viens d'apprendre que tu as eu un accident, c'est vrai ou pas? Je ne reçois pas de réponse. Bizarre. Je me dis, sûrement, c'est un buzz. J'essaye d'appeler un peu partout. On dit, ouais, apparemment, il a eu un accident, mais ça va, il est stable. Je dors très tôt, je me réveille le matin, il y a quelque chose qui me dit, va à l'hôpital, va. J'essaye d'appeler Mola et tout. Donc, j'arrive sur le lieu directement, Yannick Kaka me fait monter, on arrive et je vois le corps sans vie de mon frère qui passe. C'est
sur le choc. De là-bas, on dit, bon, on y va directement à la maison, saluer la famille. Et on y va, on va, on salue. Quand on revient, en sortant de la maison, j'entends plein de bruit. Il n'est pas mort, il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Mais mon cœur a commencé à retrouver la joie, j'ai commencé à sourire. Pourtant, je l'ai vu parti. Mais je croyais. J'appelle Yannick. Mais Yannick, apparemment, mon gars est ressuscité. Hein. Yannick dit, mais tu l'as vu ou bien tu ne l'as pas vu? J'ai dit, ouais, c'est mais... pour ça que là, tu parles de buzz, là, oui. Voilà. Je te dis, j'ai dit, mais... Et dans la voiture, maintenant, je commence à parler seul. J'ai dit, ouais, petit, tu es fort. Toi, ton buzz, là, tu es fort, même. Si vraiment, moi, je te vois et en réalité, tu es vivant, je vais m'incliner. Tu es fort. Et aux dernières nouvelles, il s'avère que c'est ça. Voilà. On est encore sous le choc. Ouais. Merci beaucoup. De Bordeaux. Salut. Ah, salut vieux, salut, salut. Alors, salut à toute la Côte d'Ivoire, salut à toutes les nations, tout et tout. Très abattu, ça se voit, ça se sent. Non, c'est au-delà de. Oui. On est au-delà de secteur même abattu, tout et tout. Je suis choqué, j'arrive pas à comprendre, croire. Je dirais même, je suis dans un rêve, mais je suis obligé d'accepter parce que le virtuel et la réalité sont deux mondes différents. Et le virtuel où on est en palabre, on se dit en mots de marketing, et quand se présente la réalité, on pense à nos valeurs. Et c'est à l'état réveillé, en train de surfer sur Internet, que j'apprends que, pas, on ne va pas employer le terme ennemi juré, mais l'adversaire en question, en mode coupé décalé, qui est DJ Arafat, parce qu'il n'a jamais été mon ennemi. Mes ennemis ne sont jamais éloignés de moi. Ils m'entourent, ils me regardent. Mais DJ Arafat, c'est un frère. On a vécu, on a eu plein de choses, on a partagé plein de trucs. Et de croire cette information a été dure pour moi. Voilà. Donc, j'ai été informé en dernière position. Les gens se sont plaints, mais pourquoi de Bordeaux ne fait pas de poste? Pourquoi de Bordeaux n'agit pas? De Bordeaux est en train de faire la promo. De Bordeaux a pleuré comme une femme. Parce qu'il ne veut pas le dire, peut-être. Mais quand le ministre d'État est venu, on a été obligé, avec le ministre de la Culture, nous sommes entrés dans la chambre pour constater devant les autorités, pour que ce soit clair. Et donc nous sommes ressortis, on s'est assis sur des chaises. Sous le contrôle de tout le monde, le ministre d'État, il a pleuré, il a vraiment pleuré. On s'est assis sur des chaises et en fait, de Bordeaux, je ne souhaite pas, mais c'est là-bas qu'il avait eu son accident, donc il connaît les gens de l'hôpital. Donc on lui a dit que ministre d'État, ministre de la Culture, Mola, tout ça, ils sont en haut. Et il est en train de se suivre à un mix. Et donc, un moment, il monte. Et donc, moi, je me demande si, est-ce qu'en bas, ils ont dit à de Bordeaux, parce qu'il est 11h, 11h et quelque, est-ce qu'ils ont dit à de Bordeaux ou pas? Et donc, je regarde la fille Vanessa dont je parlais, je regarde le ministre et je dois demander l'autorisation de dire, parce qu'on ne peut pas en parler, on ne peut pas en parler comme ça, il faut un communiqué détail, il faut plein de choses, on ne peut pas en parler. Donc je demande l'autorisation, donc je regarde, je dis, est-ce que je peux, on a les lames là, il vient nous trouver en tant que, et je peux vous dire que de Bordeaux, c'est son frère, on doit parler de choses positives, c'est son frère. Vu comment il a pleuré et on a été obligé de manager pour qu'il sorte. On n'est plus dans les histoires de polémiques, on a une grande perte en Côte d'Ivoire. C'est une icône qui a fait voyager notre musique, dont nous sommes les instigateurs, qui est un grand ambassadeur, ainsi que les autres, ses frères qui sont là. Mais voilà, c'est une icône. Et on va le célébrer. Absolument. Voilà. Le moment viendra et on entrera dans les détails. De Bordeaux, est-ce que tu peux t'adresser à ces fans qui sont désemparés? On souhaiterait que tout se passe dans la discipline, dans la dignité. Est-ce que tu peux t'adresser aux fans d'Arafat? Ok. Vraiment un très cher fan chinois, étant donné que, voilà, je suis de Bordeaux les Konfa, le frère de votre président, qui est autre que DJ Arafat. Retenez surtout que DJ Arafat ne tombe pas et il n'est jamais tombé. C'est peut-être que je suis son adversaire, mais... Il y a ce qu'on appelle cette affection et l'amour que j'ai, et j'aurai, et je ne pourrai jamais abandonner DJ Arafat. Même dans sa tombe, on sera toujours ensemble. D'accord. Ce que je peux vous demander, soyez posé, respectez, je dis bien respectez un peu
l'image de cet artiste. C'est un musicien et non un cascadeur, disons, voleur. Donc, venez tous vers du côté des engrais ensemble. On va pleurer ensemble. On va tout dans faire. Dans la discipline. Dans la discipline. Dans la dignité. Dignité, ouais. En tant que la Yoro Gang. Je ne suis pas de la Yoro Gang, mais j'intègre la Yoro Gang. Merci beaucoup. Alors, la même question à Beno. Tu as un mot pour les fans d'Arafat? Bah, tous les fans d'Arafat. C'est important, là, actuellement, tout le monde a envie, ils ont envie de vous entendre, en fait. Si, si. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez été toujours là pour lui. Vous avez été toujours solidaire de sa personne. Et je pense que de là où il est, tout ce qu'il aimerait voir, c'est que sa Chine populaire lui rende un grand hommage. N'oublions pas que Arafat est une icône de la musique ivoirienne. Et africaine. C'est notre frère, moi c'est mon cousin. Moi c'est mon gars, moi, on a vécu ensemble, donc voilà. 5 ans dans la même maison. Tout ce que je souhaite, c'est que ça fait mal. Nous soyons tous unis pour lui rendre un grand hommage. Et voilà. Surtout dans la discipline, comme tu l'as demandé tout à l'heure. Mon vieux, j'aimerais verser quelque chose. Oui. Faut que les Ivoiriens et Ivoiriennes retiennent une chose. Les temps sont durs et les temps sont menaçants. Il est temps de se ressaisir et de passer vraiment aux choses vraies. Il est temps de passer à une certaine maturité. On ne va pas appeler ça un exemple, mais on va appeler ça un conseil. Donc j'interpelle la jeunesse ivoirienne. Je vous demande pardon. Mettons Dieu comme couverture dans nos vies et prions tous à l'unisson pour que l'esprit et que l'âme de notre frère Didier Arafat repose en paix à jamais. Merci beaucoup. Merci pour ces paroles fortes. Alors, voici ce que les Ivoiriens retiennent de Didier Arafat, c'est dans cet élément. Didier, c'est quelqu'un, il a apporté beaucoup pour la population ivoirienne. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut. On peut pas aimer une personne jusqu'à 100%, mais il faut regarder ses œuvres. Aujourd'hui, la musique ivoirienne, si on est au sommet, c'est à cause d'Arafat. Je souhaite mes condoléances à toute la famille de la musique ivoirienne et du monde entier. Et ce que je retiens d'Arafat, vraiment de bons souvenirs. Et c'est une triste fin, vraiment pour l'Afrique et le monde entier. Je retiens de l'artiste Arafat, un travailleur, un gars qui aimait vraiment la musique. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est une légende, quoi. C'est une légende pour moi et c'est une nouvelle qui m'attriste, qui bouleverse le showbiz. Arafat, on retiendra qu'il a apporté une touche assez spéciale. À la façon de faire la musique, à la façon de faire du coupé décalé et je dirais même à la façon de faire du rap. J'ai vu beaucoup de jeunes rappeurs qui s'identifiaient désormais à lui et j'ai vu la réaction de tous ces groupes de rap depuis le drame et franchement on pourra dire que on vient de perdre un monument. Didier Arafat, c'est un grand artiste. Il est un artiste, il est une légende. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, je peux le comparer même au plus grand sommet des artistes du monde. Je peux le mettre à l'échelle de Michael Jackson, parce que les légendes, ça ne dure pas. Michael Jackson a fait des tubes et il a préparé sa mort. Sa mort était une légende et c'est la même mort qu'Arafat. Arafat demeure le cœur de la Côte d'Ivoire, il demeure le cœur de la jeunesse. Et nous tous, nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers de lui. Je suis fier d'être un Chinois. Fier. Arafat, c'était vraiment un showman qui aimait son boulot. On avait souvent l'impression qu'il était distrait, mais il était concentré dans sa distraction. C'est ce que je retiendrai. Et j'ai gardé l'image de lui à la dernière émission de Tempo. Et c'était le spécial Arafat, bizarrement. À chaque fois qu'il y avait des petites pauses, il venait dans le background pour bosser encore sa musique, pour pouvoir faire mieux devant le public. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et au lancement du Clash aussi, ça a été pareil.
il aimait son public, il était disponible. Quel que soit ce qu'il se passait, quand on appelait Arafat pour venir faire une prestation pour les émissions de la RTI, il était toujours disponible pour nous. Ça m'a vraiment marqué. C'est une grosse perte pour nous. C'est difficile, mais ainsi va la vie. C'est vraiment difficile pour nous. Arafat, c'est quelqu'un qui est humble, malgré que les gens disent qu'il a son caractère, mais chacun a un caractère. Donc vraiment, il fait du bon boulot, il travaille bien. En tout cas, c'est la Côte d'Ivoire qui vient de perdre un grand musicien. Parce qu'il a rehaussé le coupé décalé dans le monde. Vraiment, à cause de Arafat, malgré que les fondateurs ont créé, mais Arafat a envoyé le coupé décalé très loin, très très loin de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, Yaku à la nation ivoirienne. Arafat était un grand artiste de la Côte d'Ivoire. Il a fait passer la musique ivoirienne, c'est-à-dire le coupé décalé, au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous sommes sur le choc actuellement même. Donc vraiment, tout ce que je retiens, c'est que Arafat a conduit vraiment le coupé décalé à un point culminant de la musique du monde. RTI solidaire avec les artistes. La preuve en est qu'aujourd'hui, on avait une émission de clash. Et l'émission a été annulée parce que nous avons perdu un de nôtres. Donc, on a annulé l'émission. Et je voulais vraiment souhaiter mes condoléances les plus sincères à tout le monde, à toute la jeunesse, à tous ceux qui aiment la musique. Vraiment, Yako, 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 Yako. Que Dieu vous bénisse. Didier Arafat, c'était un grand artiste, c'était un grand chanteur du coupé décalé. Il donnait l'inspiration à tous les autres artistes. Aujourd'hui, ça nous fait tellement mal, mon vieux. Où on est là? On est trop en colère. Puis il a créé beaucoup de choses pour la musique ivoirienne. Il a montré à la musique ivoirienne que le créateur du coupé décalé, c'était Doudou Saga. Mais après Doudou Saga, c'était Arafat. Il n'y a pas deux monumentaux. C'est le cœur, le fondateur. C'est lui seul qui a sauvé le drapeau ivoirien dans tous les pays. Donc la mort d'Arafat nous fait vraiment beaucoup mal. C'est la vie. On a perdu une personne qui nous coûte cher, qui coûte cher à la nation ivoirienne, qui coûte cher à l'Afrique tout entière, au monde même. C'est vraiment, vraiment dur pour nous qui travaillons pour lui et tout. C'était quelqu'un qui avait ses défauts, mais beaucoup de cœur. On a vécu avec lui. Grâce à lui, aujourd'hui, je suis Abiy Marwan. Aujourd'hui, il n'est plus là. Tout ce que j'aimerais qu'on fasse pour lui, c'est une bonne prière pour que son âme repose en paix, parce que ce n'était pas le moment pour qu'il parte. La Côte d'Ivoire avait encore besoin de lui. Jonathan, c'est le premier gros tube d'Arafat Didié. Et il chantait celui qui l'avait inspiré, Jonathan. Nous avons changé d'interlocuteur sur le plateau. Nous sommes avec Arnaud Jaguar, qui est le manager d'Arafat. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes avec Robert Braza, journaliste producteur, qui officie en France sur Africa Radio. Et avec nous également, M. Soumbounou Moussa. Bonsoir. Il est le DG Universal Afrique Musique. Bonsoir. Et Hucher Alima, qui est journaliste écrivain. Oui. Arnaud Jaguar, la dernière fois que tu as parlé à Arafat, c'était quand et dans quelles circonstances? Eh bien, c'était hier. Oui. C'était hier, on va dire, aux environs de 17h. On a eu échangé par rapport au point du conseil qu'on a eu à la veille. Oui. Et on a discuté sur certains points.
Et vraiment, c'était une grande première pour moi. Parce que lorsque je faisais des reproches à l'artiste, jamais l'artiste a pu reconnaître un peu son tort. Mais hier, il m'a fait une note où il a vraiment fait un peu toute la jeunesse. Il m'a dit, c'est vrai que je suis un peu têtu. C'est vrai que je fais beaucoup de dégâts. Mais je reconnais ton travail. Mais tu es avec moi, certes. Beaucoup de personnes vont dire des choses sur moi. Beaucoup de choses se disent sur moi. Tu as travaillé pas mal l'artiste. Mais aujourd'hui, tu es avec moi. Reste à mes côtés. Et ne regarde pas mon côté où tout le monde prend en mal. Mais regarde plutôt la personne qui est en face de toi. Et travaille et ensemble, on va aller de l'avant. C'était une grande première pour moi. C'est la première fois que l'artiste me parle comme ça. Et moi, ça m'a donné encore la force de pouvoir continuer. Voilà. C'est un peu ça. Oui. Alors, la marraine, avec ta permission, on va avoir quelques images du domicile d'Arafat. Pour voir un peu la situation, comment ça se passe, pendant que nous continuons ici en plateau. Finalement, c'est vrai, c'est trop tôt, c'est trop juste, mais avec un petit détachement, qu'est-ce que tu retiens d'Arafat ? Arafat, c'est... L'artiste. C'est une personne qui a la rage de vaincre, en fait. Oui. La rage de vaincre, et qui lutte toujours pour pouvoir atteindre un objectif. Malgré tout ce qu'il raconte sur sa route, il ne baisse jamais les bras. Mmh. Voilà, donc j'ai retenu en lui une personne battante. Et c'était le dernier mot qu'il m'a dit. Je suis un guerrier, donc restons tous des guerriers. Et ensemble, on pourra vraiment, malgré tout ce qui s'offre à nous comme obstacle, on pourra vraiment atteindre l'objectif. Voici ce que j'ai retenu dans la fin. Un battant. D'accord. On reviendra tout à l'heure à toi. Romain Brazza. Tu vis en France, tu es régulièrement en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, ça nous fait énormément plaisir. Tu as eu des relations personnelles avec l'artiste, personnelles, mais aussi professionnelles. Professionnelles, la première chose que je dois dire, c'est que Yako, Dame Côte d'Ivoire, Yako à l'Afrique, Yako au monde. Je crois que j'ai entendu tout à l'heure parler d'Arafat comme étant une icône. C'est vrai que Doug Saga a créé le coupé décalé, Mollaré et les frères l'ont élevé, mais je pense que d'une certaine manière, Arafat lui a donné sa dimension en termes d'art musical et l'a fait entrer dans l'ère industrielle musicale. Pourquoi j'ai beaucoup de peine aujourd'hui ? Parce que j'arrive en Côte d'Ivoire au moment où Arafat s'en va, il part un jour qui est sacré, fête de la Tabaski, il part d'une semaine où on célébrait l'indépendance, l'unité. Et il part dans une dimension qui est assez étrange. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est la joie. La Côte d'Ivoire, c'est une ambiance, c'est une manière de faire danser l'Afrique entière. Et c'est pour ça que personne n'y croit, d'ailleurs. Oui, effectivement. Et dans quelques jours aussi, il y a la fête de l'Assomption. Il y a la fête de l'Assomption aussi. Oui. Et je dois dire que moi, je suis très triste à tous les niveaux parce que Arafat, pour moi et pour mes confrères, mes aînés, on entendait John Jay tout à l'heure, c'est un artiste qui permet aussi de positionner l'Afrique sur une planète musicale urbaine internationale. Les Nigérians nous envient Arafat. Les Ghanéens nous envient Arafat. Mais quand vous allez à Londres, vous allez à Montréal, vous allez à Paris, les artistes du monde connaissent Arafat. S'il passe sur un plateau de télévision avec Hanouna, qui est heureux d'avoir Arafat, c'est parce qu'il est marquant. Ben oui. Et puis après, la pensée, c'est évidemment... Je dis à sa famille, à Tina, la grande sœur, parce que c'est d'abord aussi un être qui s'en va, sans ses enfants, ses frères et sœurs. Et puis j'ai une pensée particulière pour Wampi, Wampierre, qui est mon aîné. Et pendant qu'on allait au Nandjélé, pendant qu'on est là en studio, Arafat, il passe, il regarde, il prête l'oreille, il écoute les conseils des aînés, Blondy, le doyen, Mewé. Et Arafat, c'est quelqu'un qui appelle à 2h du matin, pour dire « Ah tiens, papa Robert Brazza, j'ai un son, j'ai un nouveau son. » Et le jour où il a reçu les Corans en 2012, j'étais sur la scène, le jour de son sacre, je lui ai dit « Après, petit, tu es arrivé à un tournant de ta carrière. » Et Arafat, à ce moment-là, est rentré dans une autre dimension. Aujourd'hui, Dieu l'a rappelé auprès de lui. La seule chose qu'on peut dire, c'est de garder le meilleur... Une vie à 100 à l'heure, oui, une vie à 100 à l'heure, mais une grande vie et une trace laissée pour la postérité. Dans l'hommage à Jonathan, il disait,
Applaudissez, il n'est pas mort. Moi, j'ai envie de dire applaudissez Arafat, parce qu'il n'est pas mort. Merci beaucoup. Merci, Braza. Monsieur Soumbounou Moussa, DG Universal Afrique Musique. Braza parlait de la puissance d'Arafat qui a aidé à positionner la musique urbaine ivoirienne et africaine à un certain niveau. Vous l'avez recruté chez vous? Oui, alors moi je suis arrivé après la signature d'Arafat. Oui. Et j'étais très content de l'avoir en catalogue. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'est la première personne que j'ai reçue. Il est venu me voir et m'a dit... Tu sais, DG, je ne t'appellerai pas ou plus DG tant que mon album ne sera pas dans les bacs. Arafat avait ça de particulier, c'était quelqu'un de très franc, d'attachant. On a d'abord discuté, il m'a expliqué ce qu'il voulait faire et on a fait de notre mieux pour l'accompagner. Oui. Mais je crois que la Côte d'Ivoire perçoit mal, comme l'a souligné Robert Braza, à quel point Arafat est un artiste important dans la création africaine. Moi, il sait se renouveler, il crée sans arrêt, c'est un combattant, oui. Il a envie de donner des coudes et de faire toujours plus. Il m'a dit, je veux des disques d'or, je ne le veux pas qu'en Côte d'Ivoire, je le veux en France, je veux dans le monde entier, je veux me battre. Et je pense qu'on a cette mission aujourd'hui, nous, label, personne des médias, arrangeurs, animateurs, amis artistes, de sublimer, d'accompagner Arafat sur sa dernière volonté, qui est de lui donner sa dimension, sa reconnaissance internationale. Oui. Moi, j'ai reçu aujourd'hui des mails des États-Unis me demandant de prendre la parole, des mails de l'Angleterre, des mails de l'Afrique du Sud. Les collègues du Nigeria ont appelé pour présenter leurs condoléances et on est tous... Je pense que ça s'entend, on est tous très émus, oui. Et c'est très soudain et personne n'était prêt à ça. Et j'ai envie de faire le maximum, d'accompagner, de dire à sa famille qu'elle n'est pas seule, qu'on fournira tous les efforts nécessaires pour accompagner dignement, dignement en fait. son départ, oui. Ses enfants dans leur évolution et sa femme dans la perte de cet être cher, d'accord. Qui est Arafat. Merci beaucoup. Merci, prie. Monsieur Soumbounou. Gérard Lima, c'est une sommité du coupé-décalé. C'est une sommité de la musique urbaine ivoirienne qui s'en va. Toi qui as écrit des bouquins, notamment un bouquin sur le coupé-décalé. Oui, incontestablement, c'est un sommet, Didier Arafat. Tout à l'heure, avant de venir, j'ai reçu quelques appels de plusieurs agences de presse qui veulent en savoir plus. Je veux dire, c'est pas souvent de fois que des artistes africains du continent qui décèdent suscitent autant d'émoi dans la presse internationale. Ouais. Je veux dire, des agences américaines, britanniques, françaises qui s'intéressent de si près. C'est vrai que les circonstances sont tragiques, mais toujours est-il que c'est un intérêt. Et j'étais le premier ému et en même temps déçu parce que j'aurais voulu que cet intérêt-là soit porté plus quand il était vivant et sur sa carrière. Malheureusement, ça se fait maintenant. C'est triste, mais bon, c'est bon à prendre quand même. D'accord. La marraine, est-ce qu'on a les éléments relatifs aux différentes déclarations des people? Beaucoup de célébrités ont écrit des mots gentils. D'accord. On reviendra sur ça. Arnaud Jaguar, à la maison, quelle est l'ambiance? J'imagine, c'est la tristesse. Vous devez être envahi par la Chine. Est-ce que tu as un mot pour cette Chine-là? Moi, vraiment, d'abord, à la maison, c'est pas facile. C'est pas facile. Et secondo, cette foule qui se retrouve devant la maison, aujourd'hui, jusqu'à présent, ne croit pas encore à la disparition de l'artiste. C'est pas chose facile. Même moi-même, pour pouvoir, vous avez vu, me déplacer pour pouvoir être ici, ça n'a pas été chose facile. Mm-hmm. Parce que les Chinois me demandaient après les artistes. Ouais. Voilà. Mmh. Et je ne peux que leur dire, oui, de toujours croire d'abord en l'artiste et de vraiment demeurer vraiment fort. Oui. Parce que ce n'est pas du tout facile. Effectivement.
D'accord. On a quelques réactions. Je crois que là, celle dans le désordre, hein, Claudie Siard, que vous pouvez lire. Davido. Et puis. Et là, c'est Fally Ipupa. Jim Martins. Caris. Voilà. Naza, avec qui il a fait une chanson, une dernière chanson. Oui. Veggie Dream. Voilà. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors, Robert Braza, on va vous libérer. Mais un dernier mot, quand même, pour Arafat. Je pense que la Côte d'Ivoire est ce pays qui a toujours su honorer les artistes au moment de leur départ. Oui. En passant près de l'hôpital où, malheureusement, il a rendu son dernier souffle, il y avait une foule de jeunes et d'enfants. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire une génération Arafat. Mmh. Qui est là et qui est réel. À cette génération, à nos enfants, je leur dis courage. Tout à l'heure, j'entendais discipline. C'est pas simple parce que dans la fleur de l'âge comme ça, on a peine à y croire. Et je pense que, d'après ce que j'ai pu entendre dans le communiqué, et Mollard le disait tout à l'heure, oui. L'hommage à sa dimension lui sera rendu. Mais le plus grand hommage, c'est encore de célébrer sa musique, de jouer sa musique et de laisser ce qui ne restera pas dans l'histoire. Les gens ne se souviendront pas d'une ou deux querelles ou d'une ou deux phrases qui se souviendront de cette musique. Et je pense qu'Arafat est rentré dans l'histoire par la grande porte. Et je pense que c'est un héros africain à sa manière. Et je pense qu'il faut le célébrer. En tout cas, Yako est beaucoup de pensée une fois encore à lui, à sa famille, à toute la famille musicale africaine. Merci beaucoup. Merci. Je me tournais vers le gros Bédel. Tu devrais avoir un micro, on va te passer le micro. Alors, permettez-moi de me lever un tout petit peu, parce qu'il y a du monde par ici. Bédel, tu as travaillé avec Arafat. Ouais. Ouais. On a travaillé ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et pour ceux qui savent bien, ils savent que je suis l'initiateur du 26 décembre d'Arafat. C'est moi qui ai créé cette date. C'était une soirée. Et quand nous sommes quittés au concert de DJ Mix le 11 novembre 2011, je me souviens bien comme si c'était hier, Arafat venait de sortir le titre Frappé Namboula. Et quand il est passé, je suis reparti à la boîte le soir. J'ai dit à mon grand frère, mon ex-patron Edgar Fou, qu'il faut qu'on fasse le concert d'Arafat. Il dit, t'es sûr? Il m'a dit oui. Il dit oui, j'ai confiance. On va remplir. Et il m'a dit, tu veux qu'on fasse ça quand? J'ai calculé les dates. Il a dit, 24 décembre, les gens ils vont aller à l'église. Le 25, les gens ils vont se retrouver en famille pour manger. Le 26, c'est férié. Il n'y a rien. On fait le concert. C'est comme ça qu'on a initié le 26 décembre. Le concept du 26 décembre. Et le jour du concert, quand on devait faire le concert, pour finir, quand on a mis les tickets à 10 000 et 15 000, 20 000, Arafat nous a appelé, dit non, c'est pas possible. Vous voulez me tuer? Vous avez vu que DJ Mix vient de remplir. Vous mettez le concert à 10 000, 15 000. Mais s'il ne remplit pas, c'est nous autrement. On dit, Arafat, tu ne sais pas qui tu es. Oui. Non, on va te montrer qui tu es. Et finalement, tu seras le premier artiste de Côte d'Ivoire à jouer au Palais de la Culture à 10 000, 15 000, 20 000. Et tu vas rester dans l'histoire. Et je pense qu'on a contribué dans cette histoire. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à voir aussi le mot du ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. On sait que l'artiste était très, très proche de lui. Ben voilà, Didier Arafat, mon fils, est parti. Je me suis personnellement incliné sur sa dépouille ce matin. Je suis profondément affligé. C'est une lourde perte pour la culture africaine. J'adresse mes prières pour le repos de son âme. Je présente mes condoléances à sa maman, à ses enfants et à toute sa famille, à tous ses fans. Et ainsi qu'à tous les Ivoiriens. Son ouvrage et son souvenir resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Adieu l'artiste, adieu Didier, RIP, c'est signé.
M. Ahmed Bakayoko. Al-Mustapha, Al-Mustapha, un mot quand même, Arafat, juste 15 secondes. Oui, merci Didier. Oui. Arafat était comme un fils pour moi. Vous voyez qu'on m'appelle Al-Mustapha Domoukiakio. Le mot Domoukiakio est venu d'Arafat. Et je suis sur ce plateau pour lui rendre hommage. J'étais à Boaké pour la Tabaski lorsque j'ai appris le malheur qui nous frappe aujourd'hui. Oui. Alors, je ne pouvais pas rester indifférent. Je me suis rendu immédiatement de Boaké directement ici à la télé pour rendre hommage à mon fils et pour dire à ses fans, à la Chine populaire, de rester serein. Et je pense qu'il y a un concert déjà qui sera ouvert au stade d'Angré. Il y a des bâches qui ont été mises au stade d'Angré, de rester serein et de grandir l'artiste en organisant dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité, et en lui rendant hommage. Voilà. Merci Didier. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Vous voyez que tous les artistes sont présents. Reggae, humoristes, comédiens, Zouglou, ils sont tous là. Toute la famille, la musique ivoirienne est présente. Merci beaucoup. On pouvait faire 2-3 jours d'émission et ça finirait pas. Parce qu'il s'agit de qui ? Il s'agit d'Arafat. D'accord ? On va encore une fois saluer sa mémoire en applaudissant très fort. Et on va finir sur ces extraits. Nous le recevions le 8 juin dernier, ici même dans ce studio, dans le cadre de Tempo. C'était son dernier live ici. Hey, Arafat, t'es un champion. Ouais, t'es un champion. Ouais. Quels sont ceux ou celles qui ont envie de monter sur la moto? Si vous voulez monter sur la moto, j'entends moto. C'est la danse qui a pris le pouvoir. Je les avais prévenus. Je les avais prévenus. Il ne m'a pas écouté. Voici maintenant, je les ai tous écrasés, fracassés, décapités. On n'a mis pas maintenant, ils sont tous traumatisés, ils croient que je suis des camarades. Demain que je vais parler, ils vont écouter. Ils croient que la musique est assez mauvaise. Moto, moto, peut commencer maintenant. Yo, 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 yo